Chelsea. Et sans doute aux portes des demi-finales. D'abord, la large victoire du match à jouer. Et puis, il y a la sérénité qui émane de ce groupe. Tout à l'heure, à l'échauffement, il y avait beaucoup de sourires sur les visages. Alors évidemment, il ne faudra pas pécher par excès de confiance. Là, franchement, ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Démonstration du match aller, on devrait avoir du spectacle, n'est-ce pas, Darren? Difficile de dire le contraire. Ils ont livré un match plein à l'aller et la confiance est forcément au top dans ce coup d'envoi. Ah oui, il existe toujours le risque de passer complètement à travers, mais j'ai du mal à imaginer un tel scénario. Cette équipe a bien la tête sur les épaules. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. David Luiz. Aspilicueta. C'est joué long, attention. Ça peut être dangereux. Et le cadre se dérobe largement. Oh que c'est dur, c'était une occasion en or. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. C'est osé. On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rien. Oui, mais il me chante l'anglais, mais j'ai raison ou pas? Oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace. Juste à temps pour trouver la bonne solution. Voilà tout. C'est clair. Intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au point. Le bon dribble. C'est une remise en jeu. David Luiz qui met bien le pied. Chelsea qui cherche l'étincelle. Et nous voici bientôt à la mi-temps avec ce score nul et vierge. Le gardien loin devant. Et l'on a qui récupère ce ballon. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Ils obtiennent un coup franc. Ça joue long vers l'avant, dans la profondeur. Il était bien en jeu. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Chelsea qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match.
C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Jusqu'ici, tout se passe très bien, il faut rester tranquille. Ce nul leur permet d'entrevoir quand même une très belle qualification. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. Le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre de... Ce sera un coup franc, bien sûr. Sur le côté, qui est le premier sur ce ballon, et le danger est écarté. Ce contre peut très bien aller au bout. Il a stoppé l'attaque adverse pour trouver la faille dans la défense. Qui est récompensé de son pressing. Nagatomo, Galatasaray qui essaye de construire. Belanda, la relance côté droit. Ça sent la frappe, il y a danger. La passe interceptée. Quelle passe. On le contre, l'arme fatale. Il allonge. Chercher la profondeur, mais en face défensivement, ça n'est pas présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Galatasaray, il récupère ce ballon. La passe dans la profondeur. Non, ça manque d'application. Se qualifiant là pour les demi-finales. Quelle différence quand même entre l'aller et le retour. Vous avez une...
bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, aujourd'hui, on est à quelques instants du coup d'envoi de cette rencontre. Le temps pour nous de vous la présenter rapidement, de vous communiquer d'abord ce que vous attendez en priorité, la composition des deux équipes et ensuite le coup d'envoi pour être donné. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. Vif du sujet. Perrault. Il passe sur l'aile droite. Jolie accélération sur l'aile droite. C'est joué long. Attention. Le gros dégagement. Pedro. Il joue dans l'espace. Oh, le bon ballon. Il cherche un coéquipier dans l'axe. Ça peut être dangereux. Sens du jeu. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Ça joue à gauche. Voici Morata. Le long dégagement du gardien. West Bromwich qui espère interrompre aujourd'hui une série de 5 matchs sans victoire à l'extérieur. Chelsea qui peut avancer. Allez, Chelsea tient bien le ballon, mais on attend maintenant de vrais occasions. Oui, il peut frapper là. Aucun danger pour le gardien. Tout seul, à cette distance, il doit vraiment faire mal. Qui choisit le côté gauche. Il la remet. C'est dégagé loin. Il est tout seul. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Jay Rodriguez. Phillips. West Brom. Mauvaise intervention. Faute à reçu. Ça va sur l'aile. Il est à distance de tir. Mais ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Le bon dribble. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Il glisse le ballon en profondeur. C'est une remise en jeu. Chelsea est passé à un rien d'ouvrir le score. Bon, il reste toute la seconde période pour faire la différence. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant et on se retrouve tout de suite. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué. Le match vient tout juste de reprendre. C'est une faute. L'arbitre intervient. Jouer dans l'espace. Ça ne passe pas.
Jacques de Rossin qui a de la liberté. West Bromwich qui a soutenu son entraîneur et pourtant il a subi une foule des critiques après le dernier match. Smith frappe. Et le cadre se dérobe largement. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. West Bromwich qui effectue un changement. Jouer long, attention, il est passé. Oh, il faut frapper, il tire. Oh, c'est dedans. Oh, il aurait fallu attendre, mais ils l'ont fait. Tout est magnifique dans ce but. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ça fait 1-0, mais reste encore beaucoup de temps dans ce match. Il s'échappe côté droit. La passe est précise. Et ça sort, corner à suivre. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Il n'a plus vraiment le temps de se montrer prudent, non? Non, c'est bien vrai. Allez, c'est dangereux. C'est au fond des filets. Et il compte maintenant 2 buts d'avance. Alors là, chapeau. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Ouf, un peu d'air. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il relance côté droit. La ligne. Bien servi. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Morata. Il y a peut-être un coup à jouer. À toute vitesse vers la surface. Nos adversaires sont KO debout là. Il aurait peut-être pu tirer de plus loin, mais il a dû se dire tant qu'à faire, autant se rapprocher, c'est vrai, c'est plus facile de marquer dedans. L'efficacité diabolique, la tuique pour lui aujourd'hui. Jusque-là, c'est le meilleur joueur du match. Quelle précision face au but. Un peu de sang neuf pour les deux équipes. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Le bon dribble. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. Alors, votre analyse sur cette rencontre? Lorsqu'on est solide derrière, qu'on ne prend pas de but, alors ça donne confiance à toute l'équipe. La victoire vient de là. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Darren et au revoir à tous. Avec grand plaisir, Grégoire.
never try.